En tant que musulmans, nous craignons tous le jour du jugement dernier. On a tous peur du jour de la résurrection où les morts seront ressuscités pour être jugés. C'est le jour où les comptes seront faits, le jour où les récompenses seront attribuées. Allah subhanahu wa ta'ala dit « L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. » Allah nous jugera un par un, selon nos faits, selon les bonnes choses qu'on aura accomplies et selon les mauvaises choses qu'on aura faites, sans oublier aucune bonne ou mauvaise action, aussi petite et insignifiante qu'elle puisse nous paraître. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Certains auront bien travaillé dans leur dunya et iront au paradis avec notre prophète, où ils y resteront toute l'éternité. Et de l'autre côté, il y aura ceux qui auront mécru en Allah, les injustes et ceux qui auront désobéi à Allah et son prophète iront en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, « Certes, Dieu a maudit les mécréants et leur a préparé un brasier dans lequel ils s'ajourneront éternellement. Mais le jour dernier dure très longtemps, 50 000 ans de ce que nous comptons. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « En un jour qui dure 50 000 ans. Et tout ce temps, chacun attendra son tour pour passer au dernier jugement. Cette attente sera certes plus légère pour les pieux, mais l'attente reste quand même dure et stressante. On a peur d'Allah à en transpirer. On est terrifié à l'idée qu'Allah va nous juger. Toute cette attente, cette peur et cette terreur font du jour dernier un jour que nous redoutons tous en tant que musulmans, car on a peur d'Allah, même si toute cette peine sera allégée pour les personnes pieuses qui croient en Allah. D'après Ibn Omar, que Dieu l'agrée, le prophète a dit « Certes, Dieu approchera le croyant et le couvrira de son voile. Après l'avoir couvert, il lui dira « Reconnais-tu tel ou tel péché ?» Il répondra « Oui ». Le croyant finit par reconnaître sa faute. Dieu lui dit « J'ai dissimulé tes fautes dans le monde et je te pardonne celle-ci aujourd'hui. » On lui remit un livre de bonnes actions. Mais ce n'est pas tout, car si Allah sera clément en jugeant certains des croyants, à d'autres, il épargnera le jugement. Imaginez, mes frères et sœurs, aller directement au paradis sans même être jugé, sans subir cette attente interminable, sans avoir à subir cette terreur et cette peur. En effet, notre prophète nous a parlé des seuls 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors qu'il se tenait à la mosquée. « On a fait passer les nations devant moi. Un prophète ou deux passait accompagné de quelques adeptes, un autre passait sans compagnon. Puis on m'a fait apercevoir une immense foule noire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ma communauté? C'est Moïse et sa communauté, m'a-t-on dit. Regarde l'horizon, m'a-t-on ordonné. Je me suis aperçu d'une foule noire qui remplit l'horizon. Puis on m'a dit de regarder ça, et là, dans le ciel. On voyait partout une foule noire à l'horizon. Voilà, m'a-t-on dit, ta communauté. Il y a parmi eux 70 000 qui iront au paradis sans examen des comptes de leurs actions. Certains affirment que cet incident s'est passé le soir du voyage nocturne de notre prophète Mohammed, tandis que d'autres disent que c'était lors d'un rêve, une révélation. Imran ibn Hussein a rapporté que le prophète a dit « Certes, Allah m'a promis que 70 000 personnes de ma communauté entreraient au paradis sans jugement ni châtiment et avec chaque millier 70 000. Et il me rajouta trois poignées. Les gens se sont alors mis à essayer de savoir qui sont donc ces 70 000. Certains disaient, il s'agit de nous les Muhajir, qui avons abandonné pays, biens et famille en émigrant de Mecca à Médine. D'autres disaient, non, il s'agit de nous les Ansar, qui avons porté secours aux messagers d'Allah lors de la difficulté. D'autres encore disaient, non, il ne s'agit ni de vous, ni de vous, mais ce sont plutôt nos enfants qui viendront après nous et qui croiront en notre prophète alors qu'ils ne l'ont jamais vu. Le messager d'Allah réapparut parmi eux et leur dit, il s'agit de ceux qui ne demandent pas l'exorcisme
ni ne pratiquent la cautérisation, ni ne tirent mauvais augure, et en leur Seigneur, ils placent confiance. Notre prophète nous dit que ces 70 000 personnes ne demandent pas l'exorcisme, ils ne pratiquent pas la cautérisation et ils ne tirent pas mauvais augure. Mais que signifient ces trois choses? Voyons cela ensemble, point par point. Pour l'exorcisme, cela veut dire qu'un individu n'aille pas voir un chir pour lui demander « Oh chir, s'il te plaît, exorcise-moi », mais préfère plutôt invoquer Allah directement. Allah a dit dans le Coran « N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ?» Recourir à un chir, c'est mettre un intermédiaire entre soi-même et Allah. Ne demandez pas à un chir de vous exorciser. Placez plutôt votre confiance en Allah afin qu'il vous écoute et qu'il exauce toutes vos prières. Les Arabes connaissaient cette technique médicale depuis longtemps, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et en réalité, le prophète a loué la cautérisation comme moyen médicinal arabe. Il a mentionné dans certains hadiths que le traitement se trouve dans trois choses. La hijama, la cautérisation par le feu et la récitation du Coran. En effet, le messager d'Allah a fait les éloges de la cautérisation en tant que remède, mais il a dit à la fin du hadith « Et j'interdis à ma nation la cautérisation ». Mais pourquoi? Car c'est un châtiment par le feu et ne châtie par le feu que le Seigneur du feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne châtie par le feu que le Seigneur du feu ». Donc, la cautérisation contient en soi un châtiment par le feu. Le prophète l'a interdite malgré ce qu'elle comporte comme avantage pour traiter certaines maladies. Tirer mauvais augure, c'est être pessimiste, voir constamment le négatif de partout. Malheureusement, cela est répandu au sein de la Oumma, à cause de leur ignorance et en raison du fait qu'ils ne sont pas éduqués selon l'enseignement authentique de l'islam. Enfin, le prophète a résumé tout cela avec « Et en leur Seigneur, ils placent confiance ». Allah dit dans le Coran « Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit ». Alors si nous tenons vraiment à faire partie de ces 70 000, on se doit de placer notre entière confiance en Allah. On doit nous tourner vers Allah et Allah seul, sans aucun intermédiaire. Car l'une des conditions de l'exaucement est d'en être certain lors de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Priez en ayant la certitude d'être exaucé ». Et Allah reste toujours le plus savant. J'espère vous avoir été bénéfique dans cette vidéo mes frères et sœurs. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.